Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que un jour viendra, vous savez, la Bible nous dit, ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, ils sont loin de moi. Ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, il est très loin de moi. Donc, il y a les gens, moi je les appelle Jésus-Christ dans la bouche. Et dans le cœur, Jésus n'est pas. Donc, et je les appelle aussi les infiltrés de l'Église. On a les gens dans notre vie qui sont des infiltrés. Donc, à un moment donné de notre marche dans la foi du Seigneur, Dieu va nous montrer les infiltrés. Et les infiltrés, ce sont des personnes qui tuent, quoi. Ça veut dire, eux là, eux, ils doivent, ils croient tellement au diable parce qu'ils sont tous conduits par, ils sont tous conduits par Satan, tous conduits, ils font la volonté de Satan en fait, ils croient au mensonge plus qu'à la vérité. Tu vas tout faire, tu vas leur présenter la vérité, ils ne vont pas accepter. Donc les infiltrer, un moment là, Dieu va mettre sa main sur les infiltrés, nous allons les reconnaître et faire très attention car ils sont très dangereux. C'est moi je vous parle. Un infiltré, c'est quelqu'un qui est possédé, qui est un démon qui attaque la gloire de Dieu. Donc Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, il va nous aider à reconnaître ces infiltrés là. Et s'ils sont quelque part, par exemple, souvent on ne sait pas, peut-être on les a confiés quelque chose qui est pour Dieu. Donc, à un moment donné, on est obligé de leur dire dégagez au fait. Parce que quand ils sont infiltrés là, Dieu va nous aider. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, Dieu fera grâce. Ne t'inquiète pas. Lorsqu'il y a des infiltrés, Dieu va te montrer qui sont ces infiltrés là. Et puis, s'il y a des choses... Si tu avais fait confiance, si tu avais confié quelque chose qui était pour Dieu, qui était pour la gloire de Dieu, Dieu va tout faire, tu vas les arracher ça doucement. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ, souriez, Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.